Deux minutes pour comprendre. Aujourd'hui, le kyste poplité. Alors, je suis avec le docteur Tarek Alaïdine. Vous êtes chirurgien orthopédiste et traumatologue. Le kyste poplité, qu'est-ce que c'est que ça veut dire quoi, poplité? Qu'est-ce que c'est que ce mot? Il faut savoir qu'anatomiquement parlant, la partie arrière du genou, la face postérieure, s'appelle le creux poplité. Le creux poplité. Donc, le kyste poplité est un kyste qui se situe dans le creux poplité. C'est ce qu'on a derrière, là. Hein, à l'arrière. Voilà, à l'arrière du genou. Voilà. Donc, c'est une petite hernie de la membrane qui entoure le genou, qu'on appelle la membrane synoviale, qui vient lorsqu'il y a une hyperpression dans l'articulation. S'insinuer entre des muscles à l'arrière et faire une petite poche, comme un petit ballon qui va se gonfler. Et lorsqu'on a un épanchement de synovie, donc un gonflement, ce liquide va aller aussi gonfler progressivement cette poche à l'arrière, qui peut plus ou moins être gênante. On peut sentir une petite boule. On a l'impression que c'est une boule, on a l'impression que c'est un peu comme une varice. Voilà, c'est une petite voussure. Alors ça peut être petit, comme ça peut être parfois très volumineux, de la taille d'une mandarine, voire d'une orange. Ça fait mal. Ça peut être douloureux, notamment lorsque ça empêche la flexion de plier normalement l'articulation. Ça peut empêcher de marcher correctement. Exactement. Grave, pas grave? Là aussi, ce n'est pas très grave. C'est uniquement un symptôme qui va nous permettre de savoir qu'il y a une pathologie intra-articulaire. Souvent, c'est associé soit à une maladie de la synoviale, la membrane du genou, soit à une maladie méniscale, par exemple, une déchirure du ménisque. Qu'est-ce qu'on fait? Du repos. On laisse le genou dégonfler. Un traitement médicamenteux peut parfois être nécessaire, comme les anti-inflammatoires. On peut, pour confirmer le diagnostic, voir son médecin et qui prescrira éventuellement une échographie. Et soit le kyste se résorbe spontanément, c'est ce qui est le plus souvent le cas, soit il est parfois nécessaire d'aller faire ce qu'on appelle une ponction. Là également, on va mettre une aiguille dans le genou, à l'arrière, et aspirer ce liquide qui parfois devient gélatineux. Ça revient périodiquement? Ça peut revenir si on n'a pas traité la maladie causale. D'accord. Donc, ce qui est très important, ce que vous nous dites, c'est d'abord, il faut, quand c'est un signe, il faut trouver la cause si on ne veut pas que ça revienne. Tout à fait. Hein, c'est ça? Bon, ben voilà. Eh ben écoutez, merci. Je pense qu'on a tout compris. Maintenant, vous savez ce que c'est que le kyste poplité. À très bientôt.